les amis, bienvenue dans mon nouveau vlog. Je me suis réveillé il n'y a pas très très longtemps, Ah, ça se voit. Bon, et je vous propose un week-end et trois métiers. Disque jockey, magicien et caméraman. Et j'ai commencé d'ailleurs hier soir, vendredi. Je ne vous en dis pas plus. Regardez les images. En pleine répétition du spectacle enfant de l'école de danse de ma femme. Est-ce que je peux voir un petit chemin? Regardez, on va rentrer. Bon allez, après je ne vous embête plus avec ça, si vous voulez être tenu au courant de tout ce que je peux faire sur ma chaîne YouTube, mes tours de magie, mes vlogs DJ ou autres, n'hésitez pas, abonnez-vous, actionnez la petite cloche pour être sûr de ne rien louper, et puis mettez un petit pouce bleu, ça ne mange pas de pain, ou quelques miettes, bon allez ça va, un petit pouce bleu, ça m'aidera dans mon référencement. Allez, on continue le vlog, je vais me mettre en place dans un endroit magnifique, je suis à domicile, et je vais mettre en place du matériel pour un mariage ce soir. Regardez dans quelles conditions je vais travailler. La tente stretch où les invités vont manger ce soir est déjà installée, tout comme la piste de danse, puisque c'est là-bas que je vais ambiancer toute la nuit. Conditions de travail idéales face à la mer pour ce soir, un mariage à domicile. L'installation est terminée, malheureusement j'ai oublié le pied de la télé, donc je l'installerai tout à l'heure. Ce n'est pas tout à fait ma config habituelle, parce que d'habitude je suis un petit peu plus haut sur une estrade, mais là comme ils ont mis la piste de danse et que je suis déjà un poil en hauteur, ça me suffit. L'installation de toute la sono et de l'éclairage pour l'animation du mariage de ce soir, c'est fait. Maintenant, direction mon doc pour préparer les tours de magie pour le spectacle de demain. Et ensuite, j'enchaînerai sur le tournage du spectacle des enfants de ma femme. C'est une journée très chargée, mais j'adore. Ça y est, j'arrive dans le petit théâtre. Les chaises sont en place. L'un des techniciens également. Et puis, ça répète, ça discute, ça regarde les anciennes photos des 20 ans de l'école de danse. C'est le dernier spectacle pour enfants de l'école Art et Mouvement de ma femme. Ma femme, c'est celle avec les cheveux rouges. Là, voilà. Ça y est, j'ai fini la captation vidéo du premier des quatre spectacles du week-end des enfants de l'école de danse de ma femme. Je viens de rentrer à la maison, j'ai pris une bonne douche. Ça sent bon, ben si, ça sent bon, crois-moi, sur parole. Et là, tiens, ça c'est l'affiche sur mon fourgon, l'affiche du spectacle ado et adulte. Mais ça c'est pour la semaine prochaine. Il va falloir que je filme aussi, que je monte et que je vende les spectacles. C'est également mon boulot. Voilà, maintenant direction l'animation du mariage. J'ai une vingtaine de minutes de route. Animation du mariage qui va m'emmener, je ne sais pas jusqu'à quelle heure. Et derrière moi, c'est mon costume de magicien pour Halloween. Demain, sans trop dormir, j'ai un spectacle dans une supérette à une heure de route. Mais c'est une autre histoire. Je vous explique tout ça. Je ne vous lâche pas de tout le week-end. J'aurais dû arriver quelques minutes avant pour profiter de ce magnifique coucher de soleil sur cette baie extraordinaire. Je viens d'arriver à nouveau chez les gens chez qui je vais animer le mariage. Toute la soirée, toute la nuit. Les gens mangent tranquillement et dans quelques instants vont avoir lieu deux petites surprises avant que je mette le feu sur le dance floor. Bon, ça fait 45 ans que je mixe cette année et depuis 45 ans, je finis toujours mes soirées avec Eagles Hotel California. Ce fut encore ce soir une belle soirée avec beaucoup d'ambiance.
Ça y est, tout est bien rangé dans le fourgon, sono, éclairage. Il est 3h30 du matin. Bah oui, du matin. Allez, je vais maintenant faire une heure de route, un petit peu de sommeil et direction la supérette à Cabotte, à Bourraquet, pour mon troisième métier du week-end, je vous l'avais promis, celui de magicien, ventriloque et sculpteur de ballons. Je vous donne donc rendez-vous dans quelques petites heures pour le spectacle. Et ça y est les amis, après trois petites heures de sommeil, mais bon ça va, les tours de magie, c'est ok. Et mon clown Léo? Il est ok aussi. Léo, est-ce que tu es prêt? Oui, oui, oui. Arrête, tu sais même pas ce que je vais te demander. Est-ce que tu es prêt? Oui. Arrête. T'as fini? Oui. Est-ce que tu es prêt dans quelques minutes à faire rire petits et grands? Mais vas-y, tu peux répondre. Oui. Oh, tu m'énerves. Oui, toi aussi tu m'énerves. Oui. Il y a quelqu'un? Je roule sur la piste. Ouais. Il y a une piste pour arriver jusque chez moi, en brousse. Et je viens de croiser des voisins qui viennent de me dire que ils arrivent de la supérette où je vais faire le spectacle et c'est déjà plein de monde. Les enfants sont dans les starting blocks. Il y a même des tas d'enfants qui sont descendus des tribus avoisinantes. Je suis trop impatient. Regardez le monde qu'il y a. Incroyable. Qui est-ce qui aime bien les tours de magie? Levez le doigt. Ça veut dire que tous les parents qui n'ont pas levé le doigt, vous pouvez partir, c'est pas pour vous. C'est bon? Encore. Encore? S'il te plaît. Merci. Mais non, il bouge pas. Mais non, c'est pas vrai. Menteuse, menteur. Léo, est-ce que tu as envoyé quelque chose sur les enfants? Oui. Oh, pardon, monsieur. T'as envoyé quelque chose sur les enfants? Oui. Qu'est-ce que c'était? C'était de l'eau. C'était pour rigoler. Oh, mais eux, ils ont cru que c'était du pipi. Non, c'était pour rigoler. Et voilà. Pendant que je vous parle, les deux morceaux Lauriane sont en train de se recoller. Le gros morceau que j'ai mis là et le petit morceau que le petit morceau. Mais t'as pas mis le... Ah! T'as pas mis le morceau dedans? Mais c'est foutu. T'as pas mis le dent, ma puce? Ah, j'ai oublié de te le... Ah! Une colombe! Arrête! Ça y est, les lieux se vident, le spectacle a été juste incroyable, j'ai encore des éclats de rire qui me résonnent. Je vais manger tout en roulant et je pars maintenant filmer le dernier spectacle des enfants de l'école de danse de ma femme.